La famille, comment vous allez? Moi, je vais super bien. C'est chaud actuellement au Bénin. Il y a quelque chose qui se passe entre nos deux stars de la musique béninoise, Vano Baby et Faneco. Qu'est-ce qui se passe? Ne vous inquiétez pas, la réponse est là. Restez scotchés du début jusqu'à la fin. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification. Ici, c'est actualité béninoise 100%. Tout ce qui se passe au Bénin, c'est là. C'est ici, on voit ça. Donc, abonnez-vous et puis on s'attrape après ça. Celui qui veut de l'argent, se forme et travaille du point d'information YouTube, comment faire des contenus jusqu'à aboutir à la monétisation. Toi qui veux compte de créer ta chaîne YouTube, faut nous contacter via le numéro plus 229-51-03-71-79. Ce sera super bien fait. Tu seras payé à la fin du mois par YouTube, c'est super bien. Juste avec ton téléphone et une petite collection, tu as déjà de l'argent. Toi qui veux qu'on te fasse la promotion, la publicité de ta société, de ton entreprise, de tes marques, de tes produits, faut nous contacter, ce sera super bien fait. Effectivement la famille, c'est chaud actuellement sur la toile béninoise entre Vano Baby et Faneco de Jésus. Il y a beaucoup de publications que les gens font. Ils sont en train de comparer quoi? Il y a quel problème? Ne vous inquiétez pas, la réponse, elle va être donnée tout maintenant. Mais avant ça, voilà le cadeau, le gros cadeau que j'ai pour vous. Le SASA, c'est l'une de mes chaînes sur laquelle on parle de la séduction, on parle de la femme. Comment draguer, comment aborder une go, comment séduire une femme, comment se comporter avec une femme, comment se faire respecter auprès d'une femme, comment garder sa femme, comment prendre soin de son foyer. Tout est là. C'est de la magie là-bas. Je vous dis, c'est de l'or, on partage. Donc les gars, la porte est aussi grandement ouverte pour les femmes. Donc, allez vous abonner. On va mettre le lien de la chaîne là en commentaire. Allez vous abonner, les gars. Arrivez sur la chaîne, abonnez-vous avant de commencer par regarder les vidéos. C'est du loup là-bas. Bon, on commence, les gars. Depuis quelques jours, il y a des tonnes de publications que les gens font sur le net. Il y a des publications dans lesquelles on veut comparer quelque chose entre Faneco et Vano Baby qui sont plus des artistes à présenter. C'est des stars de la musique béninoise. Voilà, et puis. Qui va dire que lui ne connaît pas Vano Baby, qui va dire que lui maintenant il ne connaît pas Faneco. Donc c'est des stars qui font vraiment du bon boulot. Voilà. Ils veulent comparer quoi entre Vano Baby et Faneco de Jésus? Vous savez déjà qu'il y a de cela 11 jours, Vano Baby a sorti sa toute dernière chanson nommée Fite. Voilà, qui c'est vraiment une bombe, c'est vraiment une tuerie que ce gars, à chaque fois qu'il sort, voilà, il donne une nouvelle version de lui-même. Voilà. Il y a de cela 11 jours qu'il a fait sortir sa toute dernière chanson qui est actuellement 543 000 vues sur YouTube. Il y a de cela 11 jours qu'il a fait sortir la chanson, il a fait sortir le clip. Il y a de cela 11 jours simplement et ça fait actuellement 543 000 vues sur YouTube. Et Faneco de Jésus qui a fait sortir sa toute dernière chanson nommée Pour Toi. Il y a de cela 2 semaines mais qui est actuellement 338 000 vues sur YouTube. Qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est la question que les gens se posent. Parce que souvent, on a tendance à croire que la langue représente un frein pour la musique béninoise. Et c'est ce que les gens font croire à nos artistes, à nos stars de la musique béninoise. On dit que non, si toi, tu ne sonnes pas en français, là, tu vas pas évoluer. Regardez ce qui se passe maintenant. Comme rappel, Vano Baby a chanté voilà, ce son-là en langue locale. Peut-être, c'est vrai qu'il a placé quelques mots en français dedans, mais si on peut dire la langue principale de cette chanson, c'est le fond. Voilà. Mais il a dépassé la chanson de Faneco en termes de vue. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que là maintenant on peut dire encore que la langue représente un frein pour la musique béninoise? Même avant de lancer sa chanson, je parle bien de Faneco, il a même créé un bad buzz, je peux le dire comme ça, excusez-moi. Il a commencé par faire des photos avec une jeune demoiselle jolie, très très belle même, qui est vraiment élancée que lui là. Et tout le monde attendait la chanson. On dit mais qu'est-ce qu'il va faire dans le clip? Bon, donc normalement là, il a déjà fait du bon boulot, il a déjà attiré l'attention des gens vers le son, vers le clip. Donc normalement il devait battre un record. Ou bien c'est moi, me trompe. Normalement il devait battre un record vraiment, vraiment inattendu. Mais regardez même ce qui se passe. 338 000 vues en 2 semaines. Et Vano Baby qui fait 543 000 vues en seulement 11 jours. C'est vraiment un écart. C'est vraiment un écart. Donc normalement, lui-même, lui là, son clip, bien, sa chanson devait normalement dépasser celle de Vano Baby en termes de vues. Parce que, on peut dire que le français, voilà, si on va croire ce que les gens disent, le français, c'est une langue qui est presque parlée dans tous les pays. Si on peut dire comme ça. Hein. Donc normalement, et comment dit-on? Faneco a plus de chances de faire beaucoup de vues que Vano Baby. Ou bien, mais c'est le contraire on voit maintenant. C'est le contraire on voit. Donc là maintenant, on va se dire simplement que si la musique est bonne, il n'y a pas à faire de langue. Ce n'est pas pour dire que la musique, que la chanson de Faneco n'est pas bien faite. Hein. Et ne traduisez pas ce qu'il a dit.
C'est pour simplement vous dire que la langue n'a jamais été un frein pour la musique béninoise et ce sera jamais un frein pour la musique dans le monde entier. Si ta musique est bien faite, là, c'est fini. On écoute des chansons, même on ne comprend pas, mais on danse, non. Il y a des chansons que toi qui me regarde, il y a des chansons que tu joues. Il y a des chansons que tu joues, des chansons qui sont dans ton téléphone, mais tu comprends rien. Pourtant, tu joues. La musique, la mélodie, c'est ça qui t'emporte. Dans un autre monde, dans un autre mood, c'est un peu ça. Donc, on arrête de raconter des bêtises sur le net. Bon, on n'est pas là pour faire une comparaison, pour créer de la cisanie entre nos gars. Et je sais que c'est des fouets. Et on a vraiment des fouets, c'est un peu ça. Tout ce qu'ils font, excusez-moi, c'est pour la musique béninoise. Voilà. Donc, on doit les soutenir. La famille, je vous appelle. Allez partager le lien de la chanson de Fanico de Jésus. On doit bomber les vues. Aussi, celle de comment dit-on, de Van le Bibi. Donc, tout ce qu'ils font, c'est pour la musique béninoise. On n'est pas là pour comparer ou bien pour coller la tête de nos artistes. Non. C'est juste pour vous dire que j'en écoutez pas tout ce que les gens vous racontent sur le net. C'est la raison principale. C'est pour ça que je suis venu vous faire cette vidéo. N'écoutez pas tout ce que les gens vous racontent sur le net. Parce que si on va croire normalement, si ce que les gens racontent était vrai, on allait même voir le contraire. Van le Bibi qui allait dépasser Van le Bibi en termes de vue. Parce que lui, il a chanté sa chanson là en français. Et Van le Bibi a chanté en fond, en langue locale. Mais c'est le contraire dans le maintenant. C'est pour vous dire que ce qu'il raconte sur internet, c'est pas forcément fondé. Donc croyez en vous les gars. Bossez dur. Travaillez dur. Ne croyez pas au ragot, ce que les gens racontent là. Ils sont pas durs. Puis eux, ils sont pas durs en fait. Ils connaissent pas comment les choses fonctionnent. Donc c'est un peu ça. Franchement, moi je suis fier de mes gars, de Van le Bibi, de Fanico, de tout le monde, de tous les artistes béninois, parce qu'ils font du bon boulot. Et puis je pense qu'ils peuvent encore mieux faire aussi de passage de salut à Saint-Méril qui est vraiment actuellement sur Petit Consa. Excusez-moi les gars, le goût. Hein. Ce gars-là, hein, moi il me dit, il n'est pas un humain, c'est une machine quoi. Parce que il n'a jamais vu un gars mentalement formé comme lui, jamais. Même si tu l'attaques du matin jusqu'au soir là, tu pourras jamais l'atteindre. Bon, c'est comme ça, il faut se comporter pour évoluer dans la vie. Hein. Si tu sais là où tu vas là, tu dois être focus, concentré, c'est un peu ça. La famille, je vous laisse me dire en commentaire ce que vous pensez de ça. Je suis pas content de vous, est-ce que les gars, je suis pas content de vous parce que souvent, là, quand il fait des vidéos, vous ne commentez pas. Pourquoi vous avalez les commentaires? Mais lâchez-moi, vous avez un commentaire, c'est pour vous qui fait des vidéos, donc je vais vous lire en commentaire, qu'est-ce que vous pensez de ça? Même s'il y a des fautes qu'il fait qui vous plaît pas, dites-moi ça en commentaire. Bon, moi je suis un humain, hein. Je dois faire des erreurs. Donc tout le monde a le droit de faire des erreurs. Donc voilà, s'il y a quelqu'un qui se sent pas en famille ici, là, n'a qu'à bouger. En tout cas, ici c'est Actualité Béninois 100%. Faut t'abonner. Toi qui veux te courir à chaque instant de tout ce qui se passe au Bénin, il faut t'abonner. Il n'y a pas encore de chaîne. C'est la seule chaîne qui parle des actualités béninoises. Toi qui veux qu'on te crée ton compte TikTok monétisé, il faut me contacter le numéro là, +229 51 03 71 79. Allez bomber les vies pour nos gars. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne de séduction. Le lien est en commentaire. C'est chaud. Voilà. Celui qui veut de l'argent se forme et travaille dur. Prends ta formation YouTube, comment faire des contenus jusqu'à aboutir à la monétisation. Contacte-nous via le +229 51 03 79. Toi qui veux créer ta chaîne YouTube, contacte-nous, ce sera super bien fait. Tu seras payé à la fin du mois par YouTube, c'est super bien. Juste avec ton téléphone et une petite connexion, tu as déjà de l'argent.